vers qui Jean ou qu'a travaillé pour changer statut de jodi a rivé 22 juillet 2019. Parce que sous qui te 22 juillet 2019 prend aux États-Unis avec statut TPS là, eh bien, gain forte chance pour déporter au c'est plus gros probabilité parce que TPS là li exact li fini. Donc son dernier délai yo bay pour ou bien nous changer statut nous ou bien nous quitter pays. Donc la nouvelle c'est ça lié. Me souhaite les amis auditeurs bien comprendre importance ces questions ça pour que yo ouais un avocat au plus vite pour travailler pendant 18 mois ça pour qui formule et qui ça la loi prévoit qui ca fait pour que nous river changer statut nous parce que nous qu'on est TPS là et Jean Théa dit c'est temporary protection status qui donc c'était un statut de protection temporaire que était bail donc après 7 l'année administration américaine a décidé font camper sous lui là nous gagnons un bon tir rallonge 18 mois pour que on petit délai 18 mois pour que nous organiser nous donc pour toutes amis qui t'a relé m'envoyer message et c'est pas une prolongation c'est fini TPS là fini donc yo ba nous temps pour nous organiser nous. Voilà, me devrais faire cette précision ça pour un pile d'amis qui voyait message pour nous sous question TPS là puisque nouvelle là est tombée hier quoi qu'on elle. Timothée Oni, bonjour, bienvenue sous signal, comment nous y est? Bonjour Francis Gentil et bonjour toutes fidèles auditeurs de Signal FM et bonjour à tout le monde vive Haïti. Son plaisir matin pour nous répondre présent et pour question santé là, nous pas trop mal grâce à Dieu malgré nous connaissons que mon Dieu qui pas trop codjom quelquefois le compte bon problème mais grâce à Dieu nous là c'est ça faut saluer mon diaspora parce qu'il y a un pile lui qui a suivi non oh me salue mon 11e département spécialement mon TPS sûr que faut parler de là nous souhaitons que dans 18 mois ça y gagne là toute cause à va régler parce que retourner en Haïti par rapport à misère insécurité gagne là nous croyons qu'il pas de la bon pour pays même pour économie pays il pas de bon tout parce que mon TPS sûr en dit y a une famille amis proches en Haïti de toujours faire transfert aux revenus et donc de contribuer dans l'économie pays là nous va ta souhaiter que retourner là n'importe qui gens c'est ça nous souhaiter que fois ça pas quitter tambaré parce que en général nous même haïtiens nous aimons faire bail à la dernière minute et ton le bail presque fini et puis pour avancer en grand nombre nous souhaiter que fois ça yo consulter avocat au plus vite pour connaître comment y a avancé. Et Timothée Oni, ou lancé Vive Ensemble, est-ce que son parti politique, son nouvelle organisation, son mouvement font-ils parler de Vive Ensemble, nos alliés? Très bien, c'est pas Vive Ensemble, c'est Vive Haïti. Vive Haïti. Vive Haïti, c'est une nouvelle organisation, on dit sociale, politique, culturelle, mais on dit que c'est pas un parti politique qui lié. Et pour monde qui pense qu'il y a une division au niveau de plateforme Petite Dessaline, par exemple, de plateforme Petite Dessaline, nous toujours fait partie du directoire plateforme Petite Dessaline parce que Vive Haïti, pas un parti politique. Et il faut nous dire que même quand il y a un faux pas qui a mené une bataille là dans les derniers 5 ans sur le passé, nous allons nous considérer que il y a un pile monde qui a mené un combat ça dans l'opposition, mais manquons mener de jeu. Manquons bagaille dans le temps là où nous tous nous chutons, nous mettons d'accord. Et bien pour nous créer un bien outil politique ça qui c'est Vive Haïti qui va aider un bien amis opposition mener combat mais avant tout que Vive Haïti on dit nous pas seulement dans question bataille pour la rue d'ailleurs n'a fait un pile tout ça capable pour nous voir que jeunes qui ensemble avec nous pour gagner émergence bon côté nous pour nous tout socialement politiquement sinon encadré donc c'est dans contexte ça nous même nous créer Vive Haïti. Alors, avant de arriver sur la question Petite Dessaline, puisque nous connaissons qui rôle toujours joué dans Petite Dessaline, bon côté ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui rapport gen jodi a Assad Volsi? Puisque moi, Assad Volsi gen au DEP Haïti, ou même ou gen Vive Haïti. Et me rappelez, dans le temps, nous étions toujours ensemble, à bataille souterraine, nous avons ensemble de revendications que nous avons fait. Qui rapport gen avec Assad Volsi jodi a? Je crois que moi-même avec Assad Volsi, nous qu'on parle, nous qu'on salue, mais et politiquement, nous pas travaillé ensemble, j'en dis auparavant. Qui a expliqué ça? Parce que le grand problème, pas de quoi que le grand problème, je crois que mais chaque monde choisit de faire route. Et nous te connaissons que c'est le grand problème qui existe entre Assad Volsi et plateforme Petite Dessaline, entre Assad Volsi et Moïse Jean-Charles, je crois que ça, l'idée vient permettre que il y ait un code qui entre nous qui consistance. Mais ça va dire que nous pas parler, nous pas travailler ensemble sur le plan politique, mais nous toujours parler. Mais est-ce que nous pensons que la situation ça les renforcer nous ou bien les pas jouer en faveur nous parce que
population peut-être militant et l'autre monde qui garder tout temps France en ma bataille et puis je dis à chaque monde pratiquement paraît à faire route par eux alors que pratiquement c'est même militant et qui avec nous et c'est même monde dans population qui avec nous chaque nèg gonné a un petit groupe par eux. Est-ce que ne pas senti quelque part ça affaiblit ensemble de revendications que nous gagnons et qui en pile fois ces mêmes revendications? Est-ce que ne pas senti mouvement ça que chaque monde a fait ça fait par eux affaiblit le secteur? Je crois que le secteur a fait content pour le temps où chaque monde a créé mouvement organisé tête pour mettre dans le secteur. Et Viva Haïti va nous dire que son organisation autrement parce qu'il y a toute qualité de monde là-dedans. Il y a des gens tout le temps dans ce temps. Il y a des gens qui ont fait la l'autre gens là-dedans. C'est ça qui fait la différence entre Viva Haïti et l'autre. Mais on nous dire que la question des divisions, est-ce que le bon pour le secteur? Oui, il est bon. Les gens plus mouvement qu'après aller l'autre monde qui était à côté secteur à mettre la donne on croit que la bon pour secteur. Non mais le par exemple pour arriver gagner élection et peut-être chaque groupe ça pour gagner candidat par eux pour gagner l'idée par eux que pour le défendre le ça justement il pas servir cause là puisque nous vivons ça déjà, nous vivons ça plusieurs fois. Nous vivons dans plusieurs élections qui fait côté que et pas plus tard que dernière élection qui sont faites là par exemple secteur Lavalas là qui c'est secteur PAO. Il y a un paquet de candidats, un paquet de militants qui divisent, chacun le joint un candidat qui vient faire que, il y affaiblit nous. Est-ce que on dialogue entre nous, on tête ensemble, pas d'apprendre le secteur A, militant, nous-mêmes, plus fort? Alors, sur question et division dans l'élection, moi, ma brave l'offrande, ce n'est pas question de division qui permet que l'élection passe, j'en passe. On dit que, il y a presque trois mouns dans le secteur par an qui sont dans l'élection, c'est vrai, mais par contre. Il y a des plus que toi. Non. C'est toi, mesdames. On dit Marie Assis, Jean-Charles et Jules Célestin. OK? Oh, ça fait de Jean-Henri Séan. Ah, OK, Jean-Henri Séan. Excusez, merci. Jean-Henri Séan. Mais bon, donc, ensemble de candidats, ça y est, ils là-dedans, ils sont capables. Même si vous avez tous les quatre quantités de voix que vous mettez ensemble, ils ne vont jamais égaler Jovenel Moïse. Ça veut dire que son machine électorale qui était préparée par Antonio Sola et qui, eh bien, n'est qui était en tête. Conseil électoral là, qui permet que l'élection ça se passe, Jean-Henri Bastida là. Mais c'est bon, question de division. C'est vrai, division, il y a beaucoup la donne, mais ça depuis faut passer nous. Parce que regardez bien pour Jean-Henri Gauthier monter machine électorale, Jean-Henri Gauthier fait conseil électoral. Et pourquoi pas, Jean-Antonio Sola, t'as pas administré bagaille, pas de bien place pour qu'un autre nègre passe. Regardez, mon bal pour exemple à votre coup. Moi, Jean-Charles Rivé, en troisième position. Combien de candidats il y a au Sénat? Combien de candidats il y a à la députation qui passait là pour sénateur, pour député? Ça veut dire, pas de monter machine là pour nous. Jules Célestin, il mettait là en deuxième. Combien de sénateurs il y a? Non, généralement, il y a comme ça l'élection. Généralement, ces derniers temps, et Timothée Oni, c'est comme ça l'élection est passée ici, oui. C'est pas parce que mon a voté pour un président qui fait que candidat au Sénat sous bannière parti à celle-là, il a voté. Mon a choisi, il prend président dans parti ça, il prend sénateur dans parti ça, il prend député dans parti ça. Réalité à ces derniers temps, c'est comme ça lié, oui. Par contre, vous suivez bien. Bon, je vais vous dire que ça va avoir qui va trop loin. En 2006, le peuple a voté président Breval, il a passé, il voit toute l'histoire. On a fait un flashback, peut-être 2001. Le président Aristide d'un président, le peuple a tap voté, et l'élection est passée, il a voté toute table là. Et je dis en là encore, si Jules Célestin vient en deuxième position, mon cher Fort Jules Célestin, il a une majorité en bas, ça veut dire que si l'élection était bien faite, il a une quantité de sénateurs, une quantité de députés résolus. Mais il y a en fait, et l'espoir unité gagné, il y a plusieurs députés et en bas. Et non, 2001 à 2006, ou dit à Timothée Oni, c'est pas même contexte du tout. Parce que 2006 à Jodia, ça fait quand même 10 ans. On va entrer là ensemble, Franz. Regardez bien pour vous, nous avons trois candidats, le premier, deuxième, troisième, quatrième. Trois candidats, ça a seulement suffi pour des grandes majorités en bas, oui. Même si nous avons 3-4 qui passent pour Petite Desaline, 3-4 qui passent dans le Sénat pour Jules Célestin, 3-4 qui passent eh bien, pour Jean-Henri Séan, en attendant nous, nous croyons que nous avons une quantité raisonnable pour nous être confortable en dehors du Parlement, mais comme ce n'est pas l'élection qui a fait. Regardez mon président seulement a voté. Et par exemple, sous-prend 2006. Bon, Antonio Solagba, Sous-prend 2006, nous pourrons rétablir contact avec Timothée Oni rapidement, puisque nous perdons lui. Nous avons parlé de réalité qui gagne dans l'élection, côté que le monde a voté.
et yo pas voté pour mon nan seul parti pour voter président avec parlementaire non seul parti yo plutôt voté et mon nan président on monde pour président ou l'autre pour député ou l'autre pour sénateur yo prend presque chaque non parti réalité a c'est Salvini parce que on n'a pas baïe tête nous menti et mon yo un petit gens fatigué yo pas comme si fait un seul parti confiance à 100% pour que yo prend toute la yo prend tout les candidats yo la donne si nous rappeler en 2006 Timothée Wonny sont évoqué à c'est un contexte particulier. En 2006, ça a été caractérisé l'élection en grand pile et fanatique ou bien ancien fanatique, ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui te croit que si vous votez René Préval, et René Préval te promet yo ça, dans la campagne justement, si vous votez la fête Jean-Bertrand Aristide tourne. Donc, sous base ça, en pile militant Lavalas, était sorti en grand nombre, yo te voté René Préval et c'est ça qui te permet. L'État pral gagner et élection en songe ça même le bon té doué gon deuxième tour communauté internationale là exerce politique ici arrangé pour pas de fête puisque normalement té doué gon deuxième tour entre Leslie Maniga avec René Préval ça pas arrivé fête mais en grand nombre majorité la valation té sorti yo voté René Préval pour té faire Jean-Bertrand Aristide tourner c'est ça que té gagné dans contexte ça qui t'expliqué que en pile monde de voter Préval et en pile député ak sénateur tout l'espoir à l'époque t'est sorti dans élection ça yo donc réalité a c'est ça lié mais depuis lors nous ouais donné au changer parce que justement mon yo croit li important que yo garder programme candidat yo garder personnalité et candidat et qui est moun lié qui fait que yo capable prend et parti a président dans parti a et puis yo prend député ou bien sénateur dans l'autre parti pour y avancer donc réalité a c'est ça lié réalité a c'est ça lié et nous pas capable oublier et ça nous vivre dans pays a dernier moment ça yo. Donc on a pas garder ça et rapidement on a pu rétablir contact avec Timothée Wonny et justement pour nous essayer et continuer brasser l'idée et ensemble communication qui est un peu difficile pour nous rétablir avec Timothée Wonny rapidement nous allons essayer et faire ça c'est important donc on a gardé tout avec et question Vive Haïti et bon question Vive Haïti ils ont mis campé et on structure les dit qui pas un parti politique qui c'est une organisation qui sa organisation ça a gagné un Jacoutli comme objectif et oui nous rejoindre Timothée Wonny parce qu'on est ça passé communication t'es coupé Julien Virgile même sous elle fait son c'est pas quatre lac fini puisque téléphone est quatre solide va arriver comprendre ça alors Timothée Wonny t'as parlé de électorat qui divisé en pile fois qui fait que un seul parti pas arriver faire majorité ça gagne quelque temps. Oui, pour taille la carte. Je crois que je suis belle intervention fait là, tout ce que là, c'est correct, mais il va finir ça net. Et on dit tout récemment là, dans l'élection, ça se fait là. J'utilise un deuxième, c'est comme ça, Métil, Maurice Jean-Charles, troisième, et Marina, six, quatrième. C'est comme ça, Métil. Et je crois que si Jules Célestin vit dans deuxième, au moins, on dit faut avoir une quantité de sénateurs et députés raisonnables. Maurice Jean-Charles, idem. Je crois que Petit Dessalines a un grand sénateur en bas à peu près 3 députés. Alors que tout le monde confirme la plateforme Petit Dessalines comme une force politique. Et la famille Lavalas, tout le monde connaît comme une autre force politique. Je mets en 4e parce que même bagaille là. Je dis, on est d'accord que l'élection ça se fait là. C'était résultat entre nous là, c'était résultat et bien monde qui était à la tête conseil électoral là, mais pas de résultat peuple là, parce que n'ego pas voulu que nous t'es confortable. Même le dernier résultat, yo n'ego a dû battre pour 4 sénateurs, ça va pas tourner green, pas tourner 5, et puis pour pas venir bail problème dans le pays. Et on fait tout ça au capable vrai pour empêcher l'autre n'ego arriver de façon à ce que pour bailler 5 sénateurs qui vont aider nous défendre cause peuple là. Donc c'est là bagaille là. Moi même pas publicité là juste ça. Mais tout le monde d'accord que oui, nous pas prêter sur ça net parce que il pas un résultat.
et parce que nous pas dans période d'élection pour faire que nous mais l'important pour nous toujours garder mais si que si nous pas appréhende des réalités ça bien et l'on prend l'élection encore jeune parti là situation ça risqué reproduire Timothée Oni en tout cas on vient avec Viva Haïti hein et ou t'a dit que c'est pas un parti politique et pas gain problème en tout même avec petite Dessalines Maurice Jean-Charles ou toujours pas de parole petite Dessalines. Bon, jusqu'à présent, fond donc au Kabou qui crée organisation, c'est dans l'autre parti politique qu'on va créer. Automatiquement, nous faisons parti politique, bah même plateforme petite Dessalines encore. Mais tout pendant que c'est une organisation que milliers organisation, pas aucun problème à question directoire plateforme petite Dessalines. Oui, jusqu'à présent, Timothée Oni fait partie de directoire plateforme petite Dessalines. Mm-hmm. Mais pour qui ça, Timothée Oni obligé une organisation parle pendant que l'on a une plateforme, plateforme dans lui-même un ensemble d'organisations en dedans. Est-ce que organisation ça ou créé à li tout en dedans plateforme non, li tout membre plateforme petite Dessalines ou bien l'a fait ou ta part? On dit que organisation il y a différentes monde, différentes tendances là-dedans. Mm-hmm. Et je crois que nous pour le travail dans question sociale nous aujourd'hui, nous pour le travail dans question pour meubler cerveau jeunes qui ensemble avec nous pour le travail pour nous garder pays à en l'autre façon mais ça va veut dire que gros problème entre nous même entre petite Dessalines bien petite Dessalines son structure politique qui a appelé à l'élection appelé à prendre pouvoir mais on dit vive Haïti c'est pas même bagaille nous pour dans l'élection nous même nous ca supporter monde dans l'élection mais nous pas gagner nous pas gagner vision aller dans l'élection re candidat à la présidence au Sénat tout bas ça. Non, il va l'annouiller. Mm-hmm. Et Vive Haïti, son outil politique qu'il construit qui va le bataille pour changement pays d'Haïti. Mm-hmm. Et qui objectif par nous, dans quel secteur nous comptons travailler, et qui objectif nous poursuivre dans le cadre de Sanbralgué pour nous faire comme travail sur le terrain? Qui côté nous voulons arriver? Très bien. Pour objectif nous, on dit pour qui côté nous appartenir, nous, on dit, plus fort dans le dirigeant, vous faites partie du grand secteur démocratique. Ça veut dire qu'en entendant nous, tout le monde dit, secteur que le sorti la donne, bien redigé, le secteur le sorti la donne. Et qui côté nous voulons arriver? Nous croyons que la première impression, c'est la première vision, c'est la bataille contre la corruption, c'est la bataille tout contre les gens qui ne respectent pas l'état des droits, c'est la bataille pour la justice qu'ils ont fait, c'est la bataille pour nous dire que l'autre Haïti, j'en ai dit, vive Haïti, pour Haïti exister. Nous croyons que faut liberté la parole, nous respecter, faut qu'on ait droit pour manifester, faut que la police connaisse les limites, faut que la justice fait équilibre, la justice en gens capable. Il faut une bataille pour contre corruption. Nous pensons dans ligne ça, Vive Haïti tracé pour la bataille. Mm-hmm. Ou une dernière nouvelle, ancien sénateur Maurice Jean-Charles? Pour la vérité, pour l'histoire, je me parle avec hier. Mm-hmm. Hier matin, je me parle avec. D'ailleurs, c'est le premier monde qui a dit c'est à midi que j'ai rentré. Et pour mon nom, parle quand il est trop devant l'aéroport international là. Et bah, rendez-vous à 11h. Et chaque fois, ouais, l'un tape bah, conférence après ça. Nous avons clairement demandé à la population. Il y a 11 heures pour le déplacer parce que mon Jean-Charles, c'est à midi que l'a venu, en façon pour nous ne pas aller camper trop dans le soleil là. Mm-hmm. Ou un détail qui fait que les batteries vont faire voyage là? Bon, je ne vais pas dire tout le détail. Yo, dans un premier temps, il était à apprendre que c'est un avion qui a pas eu qui a pas de problème. Mais par la suite, il y a soit même dans l'autre cause, que moi-même, beaucoup connaît. Égal, moi-même, pas trop éternisé, tout ça parce que je ne connais pas trop vraiment cause. Yo. Mm-hmm. Mais ça qui est important, c'est que hier, je suis là avec monsieur. Mon baronne, c'est la rentrée jeudi, effectivement. Oui, la rentrée jeudi, je me annoncé. Je me annoncé tout. La rentrée jeudi, c'est nous tous ensemble qui va le recevoir. D'ailleurs, on dit Jean-Charles, créez aussi Petite Dessalines avec nous tous. Et Petite Dessalines créé depuis 7 mars 2013, l'autre où nous avons monté Pétionville pour la première fois, l'un des Petite Dessalines, nous avons le Petite Dessalines. Et c'est à partir de là que l'outil politique ça a créé. Ça veut dire que là, pas qu'il y a aucun problème. Moi-même, France, tout le monde a un problème avec tout le monde. Depuis que je suis pas à l'aise, tout le monde connaît. Le jour où je suis pas à l'aise, Petite Dessalines, tout le monde connaît. Donc, pas qu'aucun problème, et je dis en tout même avec l'ancien sénateur Maurice Jean-Charles. Non, pas qu'aucun problème. Pas qu'aucun problème, au contraire. Je crois que depuis le pays qui bat, nous toujours parler, nous toujours communiquer quelques informations qui concernent, je partage la veille. Mm-hmm. Et lui-même, tout le fait, me réponse. Ou tu partages l'idée de Vive Haïti avec monsieur, comment tu trouves ça? Et avant de sous question Vive Haïti, honnêtement, sincèrement, moi, je ne peux pas parler ça avec moi, Jean-Charles. Je ne peux pas parler sur ça. Ah bon, vous prenez initiative et fonds organisation sans qu'on permette monsieur? Non, c'est pas. Moi, Jean-Charles, t'es malade. Regardez bien le contexte politique là.
Et moi, Jean-Charles, en dedans, yon sorti, en dedans, regroupement politique, regardez bien pour FMI Lavalas, il y a un latrier sénateur, député qui représente elle, pour l'équipe qui t'a supporté Jules Célestin, ou jeune André Michel, Major Michel et Latrier, et pour Petite Dessaline, c'est moi Jean-Charles qui t'a représenté. Et pendant, et moi Jean-Charles, pas Haïti, regardez bien pour le mouvement qui est censé casser, l'immobilisation TPT. Nous-mêmes nous dit, eh bien, le mot Jean-Charles vini, ou bien si mot Jean-Charles pas là, faut qu'on bagaille, faut qu'on substance dans la route. Non, mais monsieur Bagay, longtemps de ville pas là, non? Si le grand problème santé, et puis l'on n'est pas là deux, trois jours, et puis nous courir, font un mouvement politique, c'est après nous mettre le courant. Est-ce que la pouvait ça bien? Est-ce que l'opinion a pouvait ça bien, comme mon camarade qui a fait route avec elle? Ça de bien, ça va bien là. Moi, Jean-Charles, son personnage, mais Haïti était Haïti. Ok? Tout ça gagne pour bataille pour Haïti. Et bon, bonne information sur moi. Le mot Jean-Charles Bralé, il dit nous pas quitter bataille là trop bien. Il dit nous continuer bataille. Il dit clairement dit nous ça. Et bien continuer bataille, pour respecter la ligne bataille là. Pas aucun problème, non, avec Moïse. Pas aucun problème, non, avec Petite Dessaline. Automatiquement, respecter la ligne qui trace pour nous faire combat. C'est dans le contexte que nous-mêmes nous faisons. Et il faut dire que, bon, Jean-Charles a tourné. Je dis là, nous avons accompagné lui. Et nous avons retrouvé nos souterrains politiques là encore, pour une bataille. Et je dis à la, qui position Timothée Oni, Vive Haïti, dans le contexte politique nous? Est-ce que nous critiquons par rapport au pouvoir, nous avons demandé pour pouvoir apporter correction, nous avons demandé départ du président? Qui côté Timothée Oni et Vive Haïti situé le jeudi à sur le plan politique? Sur le plan politique, on dit que jusqu'à présent, nous pas satisfaits. Déjà, pays a marché. Et c'est une satisfaction, ça, tout, qui permet que, je dis, là, nous créons numéro 10, ça, dans le temps terrain, dans le temps là, où on crée les vies haïtiennes. Pendant que, sous question état des droits, on dit, nous ne pas accepter, regardez comment la justice a marché, ou il y a une grève dans la justice, là. Moun qui n'en prison, pas qu'à juger, juge pas qu'à rendre ordonnance, en attendant par rapport à grève qui est dans la justice. Deuxièmement, moun qui a manifesté, je dis là, il a servi avec la police pour empêcher les gens de la rue. Et chaque fois, manifestation en grand pile, moun, la police toujours bombardé à gaz lacrymogène, uniquement pour les gens de la quand il y a des milliers de gens qui répondent présent, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, Jovenel Moïse, dans tel pays encore. Ensuite, on va venir voir une question de corruption, elle a fait la rage, d'aller bien pour un pouvoir qui dit qu'il y a cinq problèmes pays à gagner, c'est corruption, alors que tout corrupteur en bas avant Jovenel Moïse, qui était dans le palais national, qui était dans le ministère. Regardez dans le rapport qui fait là, on dit, il y a un ministre qui n'a pas pouvoir épingler, pouvoir pas dire rien sous ça, il n'a pas aucune résolution, mettez ça à côté, parce que ce travail, il veut parler de ministre intérieur. Et regardez encore, mettre là, sur le plan, on dit, économique, regardez près de 3 milliards de gouttes dépensées dans la ville de Kaï pour question de réparer ou bien préparer ville là comme quoi que inondation pas jamais fait encore et puis regardez deux chatanik pipi là la ville de Kaï inondée et sur le plan conseil électoral permanent l'on peut bon pouvoir et bien pouvoir ou bon mission la donne ou bon côté de rive ou bon côté pas de rive sur sorti dans élection qui conteste qui bail en pile problème et tout le monde fait parler en pile de élection ça et puis journée aujourd'hui là pour ces même monde ça ouvrir prêt pour traverser dans conseil électoral permanent faut d'accord que là capable gain inquiétude et inquiétude dans il doit faire pour consultatif je dis non et budget à tout le monde dit président non et c'est budget ça qui a couché tout ça avec gain la net parce que dans budget là les gars couchent rubrique la donne pour payer 14 milliards 200 millions gourdes et bien pour nous qui gagoter l'argent pétro caribéen pour nous aujourd'hui là en entendant nous parce que chaque année nous va le payer comme ça jusqu'à ce que nous fin payer pendant que nous qui mange l'argent yo là dans pays là et puis personne monde pas dire rien comme quoi que yo gain droit yo gain pouvoir yo capable gagoter déchets payer l'argent l'état gens ouvlé et puis ça fait nous même nous te dit au niveau de Haïti nous demander population pour chercher adresse caïm nèg ça pour nous pour nous faire sitting devant la caillou pour nous pointer de nouveau la justice ou bien le Sénat de la République pencher pour la justice prendre responsabilité. Et puis, sous question l'armée, mes amis, on entend nous, qui qualité gros il fait en société. Je dis, première bagaille pour nous, pouvoir exposer le pays d'Haïti face à la République dominicaine qui est l'armée puissante, parce que deuxième l'armée dans le Caraïbe, après le pays du bas. Et puis, je dis, là, pour exposer nous comme ça, l'on dit que le pays a gagné l'armée. On peut gagner l'armée, on peut pas gagner l'armée. Avec des bons difficultés, n'importe l'autre pays, non, tout pour capoter au secours. Mais je dis, là, sous l'armée, pas aucun monde, non, c'est la République dominicaine qui a dit, là, bon, va, il nous la connaît, là, qui va porter nos secours. Moi-même,
la question de l'armée, il y a trop mauvais passé de l'armée d'Haïti. Moi, je m'ai noté que Timothée Boni, c'est petit ou ancien militaire que lui. Papa me fait 26 ans dans l'armée. Papa me dérèle Raymond Timothée. Mais par contre, ça va empêcher une critique envers l'armée par rapport à ça me déconnoué et ça me déconnoué. Moi, je m'étais Timoun dans les années 87. Je m'étais connu le 1er avril en une amphie de l'église. Je m'étais eu une chance. Ouais, le nexa ou qu'on a rentré quand moun, fait maman prend petit, fait papa prend petit, et la trié, parce que ça a quitté mauvais goût dans la bouche moun qui dans la population. Et c'est à partir de nexa ou vin connaît phénomène qui est les Englandouans qui paraît dans les années 87-88, côté ancien général, vous savez, à Will, dès qu'on a dit, n'y a aucun zame ou aucun uniforme, c'est pour chercher quoi bout. Et récompense à qui ça a veillé. Moi, même des chances pour m'te, ouais, eh bien, ancien militaire qui a mouru dans la rue, il y a casène, palais, cordelé au parc, en d'application, il a trié. Combat il a trié n'a pas mouru à qui ni forme sur dans la rue. Tout ça, au souvenir, ça a été dans l'esprit. Même te voit tout pendant que j'ai parlé de l'armée en 1994, on dit le président Aristide a retourné. On te voit comment, eh bien, les militaires américains étaient humiliés soldats haïtiens, et on a voulu aller, ils humiliés, ils minotés, ils n'ont pas capable de défendre tête, alors que on te dit que, en bas, ils viennent dans l'air, ils prennent, ils viennent à terre, ils prennent, ils viennent sous l'eau, ils prennent. Et pas ça, on dit, ouais. Même te voit tout dans la question ancien militaire, ils ont pacifié, ils ont 32 coups d'État. Plus de 5000 moun mouri dans dernier am quoi c'est le 30 septembre 1991 et jodi an là pour venir avec l'armée nous croyons que faut bon dialogue qui pour fait à tout moun dans société a pour tout moun mettez au d'accord mettez moun en confiance pour montrer que l'armée ça prêt à le faire là son l'armée qui pas fait pour société a pour pays elle va on la monti goun moun mais là pour un ministre de défense on charge il pour faire recrutement ça va inquiétude le eh bien, président lui-même, même, lui ne parle avec personne de monde, et puis la prend arrêté, nommé général en chef, et puis là, il y a l'autre général qui a dirigé le Vader, là, il n'y a pas d'inquiétude. Dans ce sens-là, nous sommes obligés, eh bien, faire ça nous capables pour nous empêcher de sortir avec l'armée. Mais malheureusement, je fais le quand même, mais permettez-moi de saluer le corps diplomatique là, qui n'est pas présent dans la CAE et dans Avetière. Permettez-moi de saluer tout eh bien, la communauté internationale, encore petit de ses amis pays d'Haïti, qui pas participer dans la démagogie ça, qui t'a fait Avetière. Je crois que ça n'est fait là son larme, n'est fait pour préparer répression, mais tout pour être capable de quitter le pouvoir, parce que n'est rendu compte, eh bien, François Duvalier, dans les années 57, eh bien, pas d'assurer de l'armée qui est là, pour pas bailler coup d'État, il crée un corps parallèle. Je vous le dis, 60 ans plus tard, en 2017, Jovenel Moïse créé propre l'armée pâle, parce qu'il n'a pas gagné confiance dans la direction générale de la police qu'il a, avait dit qu'il préparait pour le rester sous notre pays. Mm-hmm. Et nous, on a hégémonie, on a préparé. Il bien pour. Ma bévite, tout à fait, petit coup d'œil, ça. Dans Jivena, pour que je un bureau PHTK, il a fait 4 électorales qu'on y a. Ça veut dire nous venons comprendre la façon dont nous avons bataillé pour pousser Don Kato Dio dans le Sénat. Nous venons comprendre la façon dont nous avons bataillé eh pour nous prendre 10 tiers dans le Sénat, 10 sièges dans le Sénat. Dans le Sénat ça. Nous venons comprendre tout. Eh bien, Gémonie et nous avons préparé pour PHTK, Jovenel Moïse, Michel Matélian, ça veut dire que nous avons préparé pour les affaires nous-mêmes au niveau secteur démocratique. Là. Nous faisons tout ça en capable pour nous créer comme mouvement, c'est pour attirer le monde, pour rejoindre nous. Pour nous grossir quand nous et puis pour nous avancer nous-mêmes. Alors, ou bien un pile fait là que en ville monde songe que c'est un ancien militaire qui est incriminé, mais c'est quand même non seulement c'est un pile fois c'est civil qui t'a bail l'ordre pour action ça au fait, mais c'est élément en dedans quoi qui t'a fait désordre un pile fois et solution c'est pas quand même craser quoi comme institution puisque grand pile institution là aujourd'hui si t'a regarder qui est-ce qui fait travail pour population selon ça la loi dit ou t'a dit ou te cas, tu vas craser toute personne là-dedans. Est-ce que solution, c'est craser institution ou bien identifier éléments là-dedans qui violent la loi, qui impliquent dans toute sa là yo, sanctionner eux, vu qu'un bécoa, puisque nous, c'est arrivé tout dans pile l'autre pays, en République Dominicaine, au Chili, en pile l'autre pays, côté que t'es gain l'armée ou bien que t'es gain dictature qui implique dans pile zak violation de la moun. Mais pays, ça y arrive nettoyer comme ça, yo, épurer yo. Et yo fait, yo kembe institution pour le servir pays, ya. Mais nous-mêmes, nous pas de gain pratique ça pour que nous remembrions institution pour fonctionner. C'est ça qui arrive avec l'armée, ya. Bon, je suis capable de dire que l'armée qui te gagne dans le pays Chili, c'est ton armée professionnelle que le te gagne. Même si on a dit tout ce qu'on est de Augusto Pinochet, c'est ton armée professionnelle que le te gagne. On a regardé l'armée par nous, est-ce que nous sommes professionnels? Non. Moi, je me rappelle pour vous, dans les années 57,
et Trouillot, ancien président dominicain, qui a assassiné près de 52 000 Haïtiens, comme ça. 1937. Là, 1937. Sous frontière, nous sommes 1937. Combien? 1937. 1937, merci. Merci, Ania, t'es troublé. En 1937, où il a été assassiné près de 52 000 Haïtiens, sous frontière, avait dit, nous sommes là, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse qui débaille. Et je vous dis, là, regardez bien, toute l'heure, nous sommes là, doit toujours passer sous frontière, contrebande toujours passer sous frontière. Mais je dis à une question de capoter Jovenel Moïse, nous connais pays a gagné en bagou zam sur lui. Autre jeune zam vous mettez dans mes nègres ça yo. Azayon deuxième côté où jeune cob bois chez zam pour yo si vous acheter parce que nous connais économie pays a faible. On garde bien pour voir et est-ce que ces zam police nationale là nèg yo prend comme était déjà demandé des armes automatiques pour mettre dans mes nègres. Nous pas connais. Le nèg yo dit l'au fond l'armée. Pour bah équipement côté pour loger tout ça population doit connaître et si un mouvement qu'a fait pour population connaît sous dit c'est pour lui faire même parce que ça qu'a fait là il carré toute bagaille il va régler l'armée et s'il est capable régler l'armée peut-être son armée dit ça lui parce que de façon et par rapport il va répondre deux devant les gendarmes qui t'a salué par rapport à tout tout ça ce décrit là comme problème qui c'est question budget question l'armée conseil électoral et permanent, etc. Qui position aujourd'hui à politiquement, j'aime demander en vent par rapport à pouvoir en place là. Est-ce que c'est correction à demander, à continuer à revendiquer ou bien nous radicaliser position nous au niveau Vive Haïti déjà, même le fait lancer, puisque c'est des quand même militants qui étaient déjà à bataille. Et qui position nous sur le plan politique par rapport à pouvoir? Moi, j'aimerais m'abonner à vous. Timothée Rony, c'est déjà radicalisé position pâle. Timothée Rony, on croit que. Pour moi, Jovenel va douer dans ce pays toujours. Parce que les gens qui ont un problème avec la justice, on dit non pas être comme la rusée du monde. Comme si pour moi, il y a un problème avec la justice, ou qu'on est des gens qui ont les contraintes judiciaires d'ailleurs, on dit faut tant la justice tranchée pour, en attendant qu'on occupe quel que soit le poste qu'il y a. Malheureusement, Haïti n'est pas comme ça. Eh bien, les gars mettent bien tout problème, ils mettent dans le drogue, ils sont sénateurs, ils sont députés, ils mettent en affaire avec la justice. L'ICA arrive président pour Jovenel Moïse pour le craser UCREF, pour le craser toute bagaille qui mettait la difficulté. L'ICA arrive pour le venger, attaquer ministre justice et en parlant de Camille Edouard Junior. L'ICA capable tout eh bien utiliser la justice comme baïonnette pour attaquer tout le monde qui était là avant le temps que le président brisait. C'est vengeance ou une fin. Mais vendu que Timothée Rony radicalise la position parle. Mais sous question ligne, et vive Haïti lui-même ni clair. Je crois que nous avons fait un chita avec tout l'autre secteur et c'est à partir de là nous-mêmes, ligne pour entrer dans le combat, nous avons défini. Et qui est le joueur de Vive Haïti? C'est le secrétaire général? Non, c'est Biron qui est numéro 1 Vive Haïti. Donc, c'est pas c'est position Timothée Rony, c'est pas forcément position Vive Haïti? Non, position Timothée Rony en attendant que Vive Haïti tranche parce que normalement, nous avons un chita que nous allons faire avec tout le monde. Il va passer de grands secteurs là pour nous définir en ligne ensemble. Et tout à l'heure, on se dit peut-être le pral gagner l'élection, ça pourrait arriver que Vive Haïti supporte un candidat. Et ou dit un candidat, puisque nous connaissons quand même, ou même avec Maurice Jean-Charles, c'est dégoûté avec 50 cob. Donc, vous pensez qu'il y a une possibilité pour que Vive Haïti, si tu as une élection, Maurice Jean-Charles, tu as candidat pour que ce n'est pas M. Soutenu? Bon, je vous dis, Timothée Rony avec Maurice Jean-Charles, c'est 50 cob avec dégoûté. Moi, je vous dis, l'autre bagaille. Timothée Rony, puis Moïse et Jean-Charles. C'est ça. Oui, comme on fait Dikounia, Vive Haïti a soutenu un candidat. Donc, ou risque qu'on position qui dépasse Marc Vive Haïti, si ce n'est pas sous ligne ça, et il a avancé, parce que ce type position, non, ou pas forcément position Vive Haïti. Nous ne pouvons pas faire une période électorale, nous ne pouvons pas rentrer dans le dossier élection. Nous ne pouvons pas rentrer. Mais même, il faut qu'on ait. Quel était Timothée Rony? Quel était Biron Rodige? Nous, puis Moïse et Jean-Charles. Ça veut dire nous-mêmes, nous, je chajoute dans zo. Nous clés dans ça. Mais malheureusement, nous pouvons une période électorale qui nous va faire un débat sous élection. Non, c'est bon débat sous élection. C'est positionnement politique que je regarde parce que je dis non, à Sénat. Positionnement politique, yo. Pour vivre ici positionnel sous question et élection, faut que nous dans période électorale. Non, pas sous élection, bon faut comprendre. Par exemple, je dis à politiquement moi Jean-Charles en position, il radicalise les positions, il prône le départ du pouvoir en place, ça c'est position politique, il est clair. Mais quand il y a si Vive Haïti pas camper sous même bit avec Maurice Jean-Charles, c'est sûr demain n'a divisé ou bien déjà divisé, c'est ça que fait demander est-ce que pas rien qui dit nous pas camper sous même ligne, mais dit que nous aussi nous clair dans ça. Nous pas chita avec tout le monde.
pour nous faire une ligne ensemble pour pas gagner parole gars qui a parlé. Mais pour ça fait faut que bon chita parler. Faut que bon chita parler nous clair. Politique c'est pas tout le monde qui fait politique. Politique va l'église ou venir. Oui amen. La patrie non bataille mais faut nous définir ligne ensemble. Et comment vive Haïti ou elle dans niveau ça parce que quand même bataille là qui souterrain grand pile parti politique qui impliqué là dans ni ou gain c'est vrai petite Dessalines ou gain famille Lavalas ou grand pile l'autre parti politique qui impliqué maintenant vive Haïti en tant que organisation Jean a expliqué là avec ou même qui gain rapport gain ou avec tout l'autre membre directeur avec sénateur Maurice Jean-Charles par rapport à l'autre parti yo et comment situer nous par rapport à l'autre organisation politique qui déjà engagé dans mouvement souterrain. Oh, mais c'est un engagement nous là, oui. Mais position sur m'a parlé là, c'est parole Viva Haïti m'a parlé, sauf que beaucoup bon ligne Viva Haïti sous question radicalisée côté est-ce que nous pour dépanner? Est-ce que nous pour correction? Nous croit que ça monsieur Djoli l'a venu à partir de Chita parler pour faire dans secteur pour nous définir une ligne. L'en fin définir ligne là, m'bon garantie n'a plus aller, n'a plus n'a aller à qui yo. Et nous clair ça. Donc position et Timothée Oni pour influencer groupe là. Non. Position Timothée Oni pas influencer groupe là, groupe là son groupe qui est tout le temps dans tout groupe là donne. Est-ce que vous comprenez? Ah j'ai Mathis qui dans Viva Haïti. Mais Mathis, il nous pas penser dans Viva Haïti. Nous souhaiter que un bonjour non conférence de presse soit saisi ouais au chita bon côté nous pour radicaliser position yo. Mais en attendant nous radicaliser, n'attend grand chita parler ça pour nous tout faire pour tout le monde la net. Et puis nous-mêmes pour nous prendre position, nous avons laissé savoir pour qui j'en bat à la bralie dans la rue. Comme on connaît que Timothée Oni a dit qu'on a vu se mettre pied dans la tête. Déjà, il a mis pied dans la tête, résultat qui s'en connaît. Qui le goumble ça a fait pour que nous prenions position non officielle par rapport à la situation politique là? Qui le fait? On dit que il n'y a pas un jour, il n'y a pas une date, mais ça me connaît, il n'y a pas trop loin. Parce que ça vient là, si nous quittons le pays à faire route, qu'il a fait là, m'bon garanti n'a besoin $50 pour acheter un dollar américain. N'a pas tenu Maurice Jean-Charles tourner pour planifier l'ensemble avec elle. N'a pas pas Maurice Jean-Charles seulement n'a planifié avec tout le monde qui fait partie des grands secteurs. Maurice Jean-Charles sont éléments importants dans le secteur tout comme il y a plusieurs autres éléments importants dans le secteur. M'croit que c'est nous tout ensemble qui pour chita pour nous définir une ligne et puis pour nous intégrer nous dans la bataille là et à partir de là pour tout le monde résultat. Bon, l'autre souffle nouveau qui entre là-dedans. Et dernièrement, je me suis voir à Assad Volsi dans le même espace. Ça, je me suis expliqué qu'il était en rencontre environ 2 heures de temps avec le président de la République, là, Jovenel Moïse, quand il était fait le pas de ça le reprocher pour voir là, ça l'a pas attendu de lui, etc. Je me suis dit, en pile détail. Et ça va jamais arriver que le président ou bien un proche lui, relo pour ne pas les politiques. Moi, je vais m'abonner avec tout le monde qui voit chez Radio Télésignal. Jovenel Moïse va la même dans le téléphone. Mais moi, j'ai beaucoup de chance de rencontrer ensemble avec lui. Ça a beaucoup fait. Mais nous parler dans le téléphone, tout comme lui parler avec lui aussi. Et nous pouvons parler avec lui aussi par téléphone. Et moi-même, ma honnête pour me dire tout le monde, Jovenel Moïse, c'est seulement par la même déstabilité pays à l'arrêt. Mais époque ça, Jovenel Moïse. Il parle à Moïse Jean-Charles dans le téléphone, mais il ne va pas te rencontrer. Ou bien on ne va pas te connaître. Il ne va pas quoi vous rencontrer. Il va vous rencontrer à Moïse. Parce que moi, avec Moïse Jean-Charles, nous avons franc parler. Franc parler. Tout comme Jovenel Moïse, le téléphone, le premier monde partagé ça avec elle, c'est Moïse Jean-Charles. Dans quelle période, monsieur, tu parles avec le téléphone? Il parlait avec une période de fête montée, laisse un cabinet pour commenter. Il faut qu'on fasse cabinet. Et pour ça, nous parlons. Pourquoi nous parlons 2 à 3 fois dans le téléphone? Donc, le... il a parlé avec nous sous intérêt pour nous conserver la stabilité ça et l'hérité du président privé. Nous dit que. Stabilité n'a pas dépend ni de moi ni de Bio, elle dépend de lui, par rapport à Jean, il va le mener dans le pays. S'il travaille, il améliore le phénomène grand groupe qui est dans la rue, il a besoin de stabilité pour contre lui. S'il travaille, il parle au monde de façon illégale en administration publique, yo, stabilité a besoin pour contre lui. Si il est ministre, respecter qu'est-ce que la stabilité a besoin pour contre lui. S'il parle pour le faire d'appuyer soutien Sénat ou élection collectivité, stabilité a venu pour contre lui. Donc, ce n'est pas ni Timothée Oni, ni Bion Odier pour faire gain stabilité politique. Et deuxième bagaille, il demandait nous pour nous participer dans le pouvoir ensemble avec lui. Et catégoriquement, nous avons dit non. Donc, monsieur beaucoup parle avec nous et 3-4 derniers mois, ça y est. Non.
En tout cas, et Gampil Paul k'ap di dehors d'ailleurs le fait que n'ap chaque moun ap pran position, chaque moun ap fait ti organisation, gen moun ki di est-ce que c'est bon mouvement senti ou on a fait pouvoir là pour que puis devant rencontrer. C'est pas ça? Mon cher, bon tout corriger ça pour moun k'ap di yo. Équipe tête caléa, m'a pas dit Timothée ou ni c'est rancune ni k'ap parler. Même prend deux tout prison la men. Mon grand Dieu, qui ça c'est pas bon, c'est ça me jeune de yo. Et troisième bagarre là, les ont révoqué de façon illégale et arbitraire en dans affaire sociale. M'pa venir pour me faire vengeance ensemble avec moun. Mais m'a rappelé tout le monde. Chaque grand haïtien gon bagarre toujours répété. Pour moun relo dans l'état, moun ça pas jamais en mort encore. Voir pour Timothée Roni, on est ta mettre dans prison plusieurs fois humilié. Divié causé sous moi, incitation à la violence, association malfaiteur, incendie criminel. Ça veut dire pour société là. Dans le papier de CBJ, pour moi, Timothée Roni sont criminels, sont délinquants. Mais heureusement, je suis délinquant pour le pays, pour le drapeau, pour le peuple, et pourquoi pas pour le monde qui est habitué à battre avec eux. Il pas dérangé. Mais je dis là, comment on peut dire que Timothée Roni a fait mouvement Saint-Tiron avec le pouvoir ça? Je pense que le monde, ça, il y a un petit classement qui respecte pour le monde, si on qualifie le comme ça. Donc, vous ne pouvez pas une possibilité pour que Timothée Roni, en aucun cas, collaborer avec le pouvoir en place là? Mon cher, m'ba dit l'impossible, non, mais faut Jésus-Christ à tourner. Faut pouvoir t'allever bonheur. M'ba dit l'impossible, non, mais faut Jésus-Christ à tourner, parce que lui, vraiment, parce que, faut une semaine de jour. Maintenant, permettez-moi de présenter, excuse-moi, bah, toute salle de nouvelles, signal FM, bah, on a un signal, c'est là, quand même, un signal participer dans la construction de Timothée qui permet de m'y aujourd'hui. Et si, bon, tout bah, scoop ça, Timothée Roni, t'es manqué, gon émission dans le signal. Okay. Ça veut dire que on dit que équipe ça son équipe moins respectée en pile Mario Vio et Ti Mario tout DG tout le monde a aussi équipe j'ai mon bien respect pour moi tout comme bien respect pour eux et même gens tout et leur famille ça a un problème leur été assassiné Frédéric Vio docteur on dit que c'est un coup ces petites pam son proche pam mon été assassiné ça veut dire que son monde c'est mon homme qu'on passe ensemble avec eux mais je dis là on croit que pour Jovenel Moïse, pensez, on monte en pour Timothée Roni. Après tout ça, il fait, pour matin, là, pour m'd'abdit que mouvement Saint-Tiron, mon cher, il va correct, non? Et m'abdou, pendant me présenter, excusez-moi, on s'a couru, on s'a qu'il passé? C'est eux qui étaient bon problème hier soir, mettez médicaments là-dedans, m'oblige, on comprime pour m'capable dormir, pour m'pas réveiller. C'est ça. Avec Jodi, là, si m'y a ça comme héritage de pouvoir, m'pas comprendre comment on a parlé, non? Pour l'abdou que Timothée Roni a fait mouvement Saint-Tiron. Bah quoi ça. Et ça va jamais fait. Gen moun ki ka dou et pas même pouvoir quand même, c'était sous président Martelly, je dis à Kadou c'est Jovenel Moïse. Yo Kadou même Jovenel Moïse ça pas fait unanimité en dans PHTK, il était choisi. Donc c'est vrai quand même gen rapprochement mais c'est pas forcément même moun yo. Ma bonne est ensemble avec vous. Ouais Jovenel Moïse sont élément yo choisi parce qu'ils semblent avec nous. Ils sont paysans. Ils sont nés qui pas trop bien imbu de politique et qui a fait n'importe où prince, ils choisissent, puis t'es qu'à abattre, on est tiré les mots Jean-Charles. Et c'est pour ça qu'ils choisissent. Il semblait nous voir. Mais regardez les revendications, yo. Et même si on t'a dit Jovenel Moïse, pas Michel Martelly, mais des l'ombraille, des rideaux, c'est Michel Martelly qui a dirigé. Regardez bien pour eux. Michel Martelly t'a dit lui-même, personnellement, c'est parce que pays a pas de président là-dedans, il fait le cas de bêtises, Jean Lé. Je vous dis là, Jovenel Moïse président, Michel Martelly dit bêtises, pirette, oui. Ça veut dire que il y a pas un président là-dedans, il d'accord son marionnette qui mettait. Et journée aujourd'hui là, comme on va le dire pour mon appartement commun, oui, qu'on t'a coulé Liliane Pierre-Paul. Depuis pour ta ouais, ou avoir Timothée Roni, chita beaucoup ta lio. Jamais, mon cher. Moun qui bataille pour démocratie, moun qui permet moun gain droit pour parler aujourd'hui. Jamais. Ou mon appartement Jean Mona mettait, les moun qui fait gros sacrifice, et puis pour éclairer l'antenne populaire. France, il t'en a tout, même tout. Il t'en a tout, France, exemple, si moun t'attaque, ou pas qu'à y avoir Timothée Roni, camper beaucoup tôt. On attend nos gens. Si n'a pas parlé d'état de droit, de démocratie, monde qui a attaqué la presse, qui c'est quatrième pouvoir, m'a pas qu'à moun, m'a pas qu'à beaucoup d'eau. Ensuite, gardez bien pour le monde qui ministre intérieur aujourd'hui, là. Faut nous d'accord, c'est Michel Martelly, Bahili. Il est dans le même pouvoir, et comme on peut le dire, Bouchita avec un pouvoir comme ça. C'est même mon délégué départemental de l'Ouest, non cité dans l'assassinat de Coton, l'élite magistrat, aujourd'hui, comme récompense, il met-il, eh bien, délégué départemental de l'Ouest. Ça veut dire qui ça? On dit son pouvoir délinquant, là. Comment on va dire que Timothée Roni prend le chita à côté de l'écran pour prendre une décision pour le pays pendant que m'a pris le vivant ici?
N'a fini Timothée Oni, malheureusement, m'pas d'accord avec du tout sous question et approche attaque, liberté la presse, liberté journaliste, etc. N'pas prêt à approfondir, mais m'pas d'accord avec du tout, puisqu'on a songé toute attaque, et puis gros attaque, puis mauvais moment la presse passe, c'était sous ancien gouvernement pour la gouvernement Lavalas. Donc, c'est vrai qu'il y a des rivaux après qu'il y ait fait tout, mais n'pas prêt à faire débat ça à Kounia. Peut-être n'a fait l'autre fois, mais. On te pose tout coup devant Malais. Tout coup. Attaque qui fait sous la presse, dans quel que soit secteur, dans quel que soit camp, dans quel que soit tendance qui sorti, Timothée Oni avec Vive Haïti condamné. Très bien. Merci un peu, Timothée Oni. Bonne journée, à la prochaine. Plaisir, c'est pour moi pour me parler avec tout le monde qui branche culte dans la diaspora pour Haïti. Mais il faut nous pas finir, ça ne va pas conclure avec ces paroles. Et puis, si moun levé, moi joigne, il y aurait les vivre n'importe moun, à bas n'importe moun. Même beaucoup de gens me voient, aucun citoyen haïtien, il est à bas Haïti. Et peut-être ça me prête le micro là matin, France Exentus, pour nous aller vivre Haïti. C'est ton plaisir, France. Merci un peu, Timothée Oni, avec nous matin, qui n'en bord Vive Haïti, une organisation qui fait lancer pour continuer à mener bataille politique là. En pile point d'essayer, garder ensemble. Merci un pile pour fidélité, patience et attention. Julien Virgile t'a assuré manœuvre technique. Timothée Oni s'était invité. Moi-même, France Exentus, c'était pour un plaisir de servir comme toujours. Continuez, restez branché signal. Et signal 90 degrés, c'est dans quelques minutes. Et pour l'entrée de la CAOM, quoi, c'est troisième sortie d'émission, ça.